if I hit the switch, I can make the ass drop, stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my... Mec, je crois qu'il était en train de faire un concours d'apnée, il s'est un peu... Oh, j'ai cuté un mec à travers un mur. C'est surcheaté. Hey, yo tout le monde, c'est Styler. Comment allez-vous? Bah écoutez, pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du Rush, c'est ma passion, avec mon ami Dimitri. Ah, bonjour. Ah, Dimitri et moi, on aime bien faire du Rush. Ah, ouais, parce que le Rush, c'est notre passion. J'aime bien ouais. Le kebab aussi. Et les bonnets. Mais, ah, avant, on va parler du Rush, alors... je nique pas froid parce que mes couilles repoussent. Dédicace à Marie-Juana. Ouais. Plagia, plagia. Ok, YouTube money, let's go. Allez, c'est pas grave. Non, moi je vais reprendre ma voix normale. L'autre il va regarder, garder sa voix de Kikoulol. Voilà, parce que non, c'est vu, l'abonné le plus fidèle. Non, t'as vu, il veut pas garder ma voix, voilà quoi. Voilà, ça c'est quand non, c'est la voix de Daron là. La voix de Daron. Bonsoir. Donc les gars, comme... Vas-y, étouffe, enculé. Comment on était? Vas-y, non mais vas-y. Non mais soit. Donc le gameplay c'est quoi? Parce que vous voyez que je joue comme un gros porc, bah c'est ma classe Elsa détecteur de cible. Oh le bâtard. Cross poignée argot. Oh le bâtard. Je reprends le gameplay, il est magnifique. Et donc voilà, c'est le rush, c'est ma passion épisode 1. Le rush c'est ma passion alors qu'il joue à la voilà, bataille. Donc c'est un petit troll à mon ami Yacine, donc voilà. Grony, voilà, donc à mon avis il regardera pas cette vidéo, et puis s'il la regarde, ben... Ah déjà, bah, est-ce que c'est ton ami? Oui, c'est mon ami, il habite pas loin de chez moi en plus. D'accord. Dans ta gueule. Du coup voilà, donc c'est un gameplay qui est full rush comme vous allez pouvoir le constater. Et donc aujourd'hui on va parler du rush avec Jaya. Donc Jaya, dis-moi un petit peu... On va appeler Dimitri, comme ça les gens vont comprendre. Hey, Jaya, t'as l'impression que tu veux venir en même temps. Ok, tu sors, hein. Tu peux te suicider. Merci. Du coup... Donc... C'est pareil. Oh putain, eh, c'est pas possible de faire un commentaire avec lui, putain. Voilà, donc ça sortira bon. En live sur la chaîne à mon avis. Bon, c'est plus... Voilà. Ok. Donc, dis-moi un petit peu, t'as joué sur quel Call of toi? C'est quoi tes Call of un peu préférés, etc. Call of c'est de la merde. Non, je rigole. Moi j'aime bien. Le changement de voix il est magnifique. Oui. Comme tu sais, je suis intervieweur sur TF1, voilà. Le dit maintenant, voilà. Hein, on se le dise. Non, moi je suis Jean-Pierre Foucault. Je fais Ah non, je suis Jean-Luc Reichmann, mon gars. Oh, le black là, comment il s'appelle? Je sais pas, on s'en bat les couilles. Harry Roselmack, ouais, ferme ta gueule, toi, tu fais pas partie du commentaire. Ouais, t'as fumé ta bite ou quoi? Non, mais tu prends pour qui là? Non, mais oh, le mec il s'incruste, non, mais. Non, j'ai quand même remercié tout simplement Parodix. Ça, Harry Roselmack. On a un intro. Ah. Oui aussi, mais attends, parce que lui il va donner juste des mauvaises nouvelles. Ah. Moi tous les matins je regarde SMTV. Ta gueule. Putain, j'ai réussi. Donc bah, allez, je remercie Parodix pour m'avoir fait ma miniature. Putain. Mon intro. Merci. Je remercie Whisky d'avoir rajouté un ou deux trucs que je lui avais pas demandé. Donc je les remercie tous les deux. Et je remercie aussi Whisky. Enfin, je vous fais. Soit il fait de la bonne musique, allez voir. Et voilà. Et ouais, je remercie Seb parce qu'il fait des miniatures pour moi. Et puis je remercie déjà Joanya là. Joanya. Mais ta mère, enculé. On a mené. Joanya, fils de pute. Oh, mais oh putain, les mecs qui vont se taper des barres sur le commentaire. On s'en bat les couilles. Donc Joanya là. C'est pas Joanya, c'est Joanya. Mais tu veux que je dise Mais non, mais pourquoi t'as un pseudo de merde? Mais toi aussi, Steeler, là. Mais moi, c'est facile. Oui, mon cul, ouais. Bah ouais, ton cul. Oui, ton joyeux, comme tu veux. Mon cul, y a des os, c'est ça? Ton joyeux. Mon anus. Non, mais mon anus, voilà, voilà. Comme vous le savez, donc, joyeux... Je vais le baiser, hein. Et je le remercie aussi à Dimitri de la partie oui, du commentaire. Dimitri, on va le donc voilà.
Dites-moi déjà, premièrement, les commentaires, si ça vous... Ta gueule, je demanderai justement dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresserait de voir sur la chaîne deux interviews. Donc voilà, les gameplays par, raison, par contre, bah, tu peux vous auriez déjà vu. Vas-y, attends deux secondes, je fais comment pareil. Et du coup, donc dites-moi si ça vous intéresserait de voir ces deux interviews sur ma chaîne. Il y en a une qui fait une quinzaine de minutes, je crois, et l'autre, elle fait presque 20 minutes, voire peut-être un peu plus. Donc c'est des gameplays que vous avez déjà vus, mais c'est un mix de plusieurs gameplays que je trouve sympa. Lucas, attends, oui, moi aussi, attends une seconde. Et donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait, il y en a une qui fait Barry Rocks et l'autre c'est fait par un autre tueur, enfin j'oublie toujours son nom, enfin soit, vous le verrez bien. Merci, bravo. Merci à tous. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Et voilà, donc parle-nous maintenant du coup de tes call-offs, vu qu'on a posé la question, mais t'en as pas parlé. Alors, moi, j'ai commencé par Modern Warfare 3. Ta gueule. Non, Seb, sérieux, tu vas faire un vol plat. Moi, j'ai commencé par Modern Warfare 3, puis après... Je suis allé sur BO2, voilà. Puis j'ai des coups. Et ensuite, je suis passé sur Ghost, mais j'ai de mes couilles, là. Hein, lui, je le fisse bien profond. D'ailleurs, il est dans la poubelle. Voilà. C'est qui, c'est fait. Sois intelligent pour le what. Ah, maintenant j'attends Call of Duty Advanced Warfare, tu vois. Parce que là c'est vraiment un gros bordel. La couscous et la tamu, la kebab, hein. En fait, c'est une voix entre Harry Rosel Mac et un petit peu tout le monde en fait. Mon nouveau cœur. Oh merde. Enfin, soit. Mais dis-moi un petit peu dans le rush, toi tu c'est plutôt quoi ton jeu kiff pour le rush? Ah oui, pardon, je me suis endormi. Le rush, mais c'est quoi le rush? Moi je suis pas rusher, moi. Quand t'essayes de rusher, t'essayes de rusher sur quel jeu? Bah moi je campe avec... Non, j'en campe pas. Je rush avec une LSAT. Moi je rush avec une LSAT. Avec un détecteur de cible. Et avec un bouclier derrière. Parce que j'aime bien les boucliers. C'est même plus le rush, c'est ma passion. C'est le bouclier, c'est ma passion. La temporisation, c'est ma passion. Non, non, c'est même plus de la temporisation là, mon gars. Tu rush en zone, mec. Tu genre, non, mais genre, je mets mon bouclier juste devant. Et puis tu te vends être glitch avec les. Moi, je fais des nucléaires. Non, mais. Voir les systèmes trophy sur le côté. Avec le truc le plus sale du monde. Laisse tomber. Je remercie d'ailleurs les alliés dans ce gameplay de m'avoir soutenu du roman nucléaire en 7 minutes à la LSAT. Donc bien sûr c'est un troll là, hein, les gens, donc pour tous ceux qui disent like, ouais tu fais de la perf de merde, ouais va te faire enculer, ouais fils de... déjà vous ne connaissez pas ma maman, et pour ceux qui la connaissent, j'espère que ce sont pour des raisons autres que... Non, je rigole. Mais non voilà, c'est un troll bien sûr, j'espère que juste vous allez bien le prendre et que vous allez plutôt prendre ça à la rigolade qu'avoir le seum. Ça m'a pas fait rien. Voilà. Toi ta gueule, on t'a rien demandé, toi tu fermes ta gueule, tu likes et tu commentes, c'est tout. D'accord. Et du coup, bah oui mais du coup t'as toujours pas, maintenant un petit peu plus sérieusement, tu rushes un petit peu vers quel, sur quel call of et c'est quoi tes armes un peu pour rusher? BO2. Je rush sur BO2. Et Modern Warfare 3 c'est qu'il y a que des connards. Voilà. Ils sont toujours avec leur lobby de merde. Ils font tout le temps chier. Et ça me casse les couilles, hein, qu'on se le dise. Et y a pas que moi qui le dis, hein. Modern Warfare 3, c'est de la merde. Putain. T'es bloqué de la nucléaire au passage. Donc voilà. Commentaire de merde. Donc voilà, on va vous laisser parce que je trouve qu'on a pas fait des bonnes barres. Et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ma façon de jouer vous aura inspiré. Et voilà, donc... N'oubliez pas à vous abonner, hein. Voilà, un abonnement, un petit like, la chaîne de Dimitri sera dans la description, ainsi que la chaîne de Sébastien, de Sébastien, ouais ta gueule, et de Whisky, ainsi que de Parodix. Donc voilà, j'espère que vous le commentaire vous aura plu, j'espère que vous avez fait un petit pouce bleu pour faire plaisir, un petit commentaire pour me dire si vous avez rigolé à ce commentaire, et voilà, donc les gars, sur ce, à la prochaine, et ciao tout le monde.